Une flambée qui amène les consommateurs à trouver des solutions alternatives. Aux États-Unis, certains automobilistes remplacent le carburant par de l'huile de friteuse. Il paraît que ça marche et en plus c'est écologique et économique. Martine Laroche-Joubert, Douglas Higginbotham. Le prix de l'essence oblige près de la moitié des Américains à faire des économies. Une contrainte dont Jonathan Pratt ne se soucie guère. Restaurateur, il recycle lui-même ses huiles de cuisson. Ma vieille voiture consommait beaucoup d'essence, à peu près 24 litres au 100 km. Ma femme m'a dit que c'était trop. Elle en a parlé à mon associé qui m'a refilé un bouquin qui s'appelle « De la friteuse au réservoir ». On ouvre cette valve, on recueille l'huile, on la filtre pour la nettoyer, on la met dans ce bidon et on la porte à la voiture. Direction le garage où Jonathan a débarqué il y a 2 ans. J'ai acheté un kit, je l'ai apporté au mécanicien et je lui ai dit « Mets ça sur la voiture ». Il m'a regardé comme si j'étais un idiot. Hey John, salut. Je sais que c'est toi, je sens ton odeur de frites. Le kit empêche ce drôle de carburant d'épaissir, il s'adapte sur des véhicules diesel et ça marche. On assiste à une demande très forte à chaque fois que le prix de l'essence augmente. Pour les amateurs, ce nouveau carburant offre tous les avantages. C'est une énorme économie. C'est mieux pour l'environnement et nous dépendons moins de l'étranger. Le plein permet de faire plus d'une centaine de kilomètres. Traditionnellement, les restaurateurs paient pour se débarrasser de cette huile. C'est bon pour l'écologie car c'est un déchet. C'est peut-être pas grand-chose, mais à notre manière, nous réduisons notre dépendance vis-à-vis du pétrole étranger. Chacun agit comme il le peut. Alors l'huile de friture deviendra-t-elle l'essence du futur? C'est en tout cas une piste à explorer.